Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en cette veille du jour de l'an, 31 décembre 2022. Ça y est, on met fin à 2022, mais ça ne veut pas dire que ça va vraiment être meilleur en 2023. Au contraire, merci d'être avec moi sur Youtube, 16h58, heure du Québec. Bonne année à tous, 2023, même si ça va être vraiment très, 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 très tendu. Ça va être une année extrêmement tendue. Puis ce qu'on nous réserve, ça va être une surprise, mais en même temps, pas une surprise. On le sait, il y a beaucoup de perturbations, beaucoup de changements qui se font L'agenda, il n'est pas caché. Il n'y a rien de caché avec l'élite. Ils te le mettent en pleine face maintenant, comme on dit. On le sait vers quoi on s'en va. Plus de contrôle, plus de totalitarisme. Tu t'en vas dans, à petits pas, grands pas maintenant, vers un régime totalitaire où on va t'imposer un mode de vie où on va te criminaliser ton mode de vie actuel, tout va être surveillé, tu vas être surveillé, tu n'as pas besoin de puces pour ça, ça va être la reconnaissance faciale qui va le faire. Donc, la marque de la bête, tout le monde se demandait c'était quoi, ça fait longtemps qu'on parle de la marque de la bête, elle prend plusieurs formes, j'imagine au fil des décennies, on parlait de ça dans les écrits anciens, mais maintenant la marque de la bête, la plus évidente, je pense, sera la reconnaissance faciale, la biométrie. Parce que c'est ça qui te permettra de continuer à fonctionner dans le système dans lequel on nous fait vivre. faut pas que tu oublies que tu n'es pas libre. Tu n'as aucune liberté. Tu as toujours été dans un système que tu remontes à il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans depuis que l'homme est l'homme et qu'on a décidé, certaines personnes ont décidé d'organiser des sociétés, des villes, des cités, appelle ça comme tu voudras. Depuis les premiers balbutiements, il y a eu des gens qui ont contrôlé, puis d'autres qui ont été contrôlés. Il y a toujours eu des règles, il y en aura toujours, mais l'élite change. L'élite est des fois vertueuse, des fois non vertueuse, décadée, décadente, euh, dépravée. C'est sûr que ça t'amène des systèmes qui vont être encore plus euh, éprouvants pour le monde ordinaire. C'est ça qu'on vit en ce moment. Une élite dépravée, décadente, sans moralité. Qui veut imposer un système, un mode de vie que eux-mêmes s'imposeront pas. D'ailleurs, il ne faut pas que tu oublies que l'élite n'a jamais vraiment souffert là, dans toutes les parties de l'histoire de l'humanité. Il ne faut pas que tu oublies que les dictateurs gauchistes, socialistes qui veulent donner. D'ailleurs, j'aimerais juste faire un petit. Euh, ouvrir une petite parenthèse. Tout dirigeant se présente comme un sauveur. C'est bien rare que tu vas avoir un dirigeant qui se présente comme un tyran qui va venir te torturer, qui va venir écraser tes libertés et tes droits fondamentaux et te dicter une façon de vivre. C'est très, très rare sous peine de punition euh, très grave. C'est très, très rare que quelqu'un va avoir du succès comme ça. Ils viennent tous se présenter comme des sauveurs et on se fait attraper à chaque fois. Les pires dans ça sont les gauchistes, les socialistes. C'est les plus crapuleux, les plus corrompus de tous les dirigeants. Et c'est ce qu'on a en ce moment, des crapuleux, corrompus, pseudo-gauchistes qui t'imposent un système complètement démentiel. Même le livre de George Orwell, 1984, a l'air d'un conte de fées comparativement à ce qu'on nous fait vivre. Mais ce pas fini, c'est juste le début de leur allemand puis de leur application, de leur agenda. Il ne faut pas que tu oublies que les médias sont leurs alliés. L'armée, la police, c'est comme une grande pyramide. À la tête, tu as les... la petite clique qui nous dirige. Au centre, tu as l'élite, les avocats, les notaires, ceux qui les aiment, euh, ceux qui aiment et ceux qui profitent du système actuel, parce qu'ils leur permet de devenir riche et de vivre très bien. Hein? Les associations médicales, les associations professionnelles de notaires, d'avocats, de dentistes qui établissent les frais, puis qui établissent toutes les normes de la société, puis ce qui va te coûter pour te faire soigner, pour te faire notarier un document, comprends-tu? Puis tout doit passer par eux. Donc, eux autres sont très importants. Le milieu de la pyramide est plus important que tu le penses. Puis dans ce milieu de la pyramide-là, tu as l'armée, tu as le judiciaire, tu as les policiers qui sont là à recevoir les ordres d'en haut pour appliquer les normes sur toute la base qui est en bas, c'est-à-dire toi puis moi, puis faire en sorte que tu n'atteignes jamais, que tu ne puisses jamais aller maugréer ou te plaindre vers l'étage du haut de la pyramide. C'est toute l'utopie, le reste. Tout ce que tu entends chez les conspirationnistes, chez les gauchistes, c'est toute de la foutaise. Ça, c'est la réalité, puis il n'y en a pas d'autre. Puis quand même que tu essaierais de penser, après des milliers d'années, s'il y avait eu un sauveur pour sauver l'humanité, pour donner un système égalitaire ju de justice, il aurait déjà été établi, non? Il n'y en aura jamais. Puis ça va toujours être comme ça parce que c'est dans la nature humaine. C'est pour ça que c'est important que tu ne t'attardes pas trop à ça. Que tu comprennes juste comment ça fonctionne, puis que tu t'enlignes pour vivre ta vie et pas la gaspiller. Tout le monde gaspille leur vie à essayer de lutter contre ça. Vraiment pas fort. Vraiment pas fort. Il n'y a rien que tu peux y faire. Tu vas être embarqué dans la biométrie. Tu vas être embarqué dans la reconnaissance faciale. Sinon, tu vas vivre comment? Dans la rue. On va t'imposer le dollar numérique. Ça s'en vient très vite, plus vite que tu le penses. Les crypto-monnaies, c'est une autre affaire. Ça, ça. C'est un autre domaine. Moi, je te parle de la, le dollar que tu utilises, il va être changé par un dollar numérique. Et là, on aura un contrôle total sur toi. On va te présenter ça comme quelque chose qui est vraiment efficace, moins cher, puis que c'est avantageux pour toi, mais il y a toujours un agenda caché. Tu comprends avec eux? L'élite a toujours un agenda caché. L'agenda caché, c'est bien facile à comprendre. Si tu nous fais chier un petit peu trop, bien, ton argent, il va être gelé, puis tu ne le verras plus. Puis là, tu ne pourras plus acheter quoi que, tu veux, quoi que ce soit que tu veux. Le crédit social en Chine, c'est ici de, depuis longtemps, là, 20 d'avant eux, eux autres, le crédit social. Tu sais, ils disent oh, « le crédit social chinois, si t'es un mauvais citoyen, tu peux pas avoir ceci, tu peux pas avoir cela. » Ça fait longtemps, nous autres, qu'on a ça. un mauvais une mauvaise réputation de crédit, va essayer de te louer un appartement, acheter une maison ou quoi que ce soit. donc tu vas être serré de plus en plus par les amourettes. Tu vas être dans un étau qui va être de plus en plus serré. Après ça, on va t'imposer un mode de vie vraiment banal, puis ordinaire, puis simpliste, parce que tout ce que tu as comme confort, il va tout disparaître tranquillement. On t'amène vers une énergie qui est loin d'être fiable. On t'amène vers une économie qui va être très chère. Tu le vois déjà, tu es en train de te faire plumer. Ça, ça ne changera pas. Ça va être de plus en plus comme ça. Tu vois, ça fait longtemps qu'ils veulent juste des riches puis des pauvres. La classe moyenne sont en train d'éliminer, sauf l'élite, les médecins, les policiers, les soldats, ceux qui sont là pour... Les métiers qui vont rester intouchables, c'est ceux qui sont là pour aider le système à rester en vie, comme les professeurs, parce que tu besoin d'endoctriner les enfants. Tant que les professeurs vont être d'accord à endoctriner les enfants avec toute la bullshit qu'on leur met dans la tête, les professeurs seront jamais touchés, les dentistes, les médecins, les avocats, les notaires, les juges. Comprends-tu? Tous ceux qui travaillent dans ce secteur judiciaire, appelons-le comme ça, ou médical, ou de l'enseignement, les autres seront pas touchés. Mais les autres, attention, les, les, les emplois vont disparaître avec l'intelligence artificielle, vont disparaître avec la robotique aussi. Comment tout ça va s'articuler, je ne sais pas, mais on le voit déjà, la misère s'installe. Le coût de la vie va jamais baisser, il va toujours augmenter. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça coûte une fortune maintenant pour avoir une maison. Juste faire réparer ton toit, si tu te compares à il y a deux ans, c'est 100 de plus. Si tu payais 7000 000, disons, pour faire faire ton toit, en bardeau, ben aujourd'hui, c'est 14000 C'est 100 d'augmentation. Ça va jamais baisser, ça. Là. Donc, ils ont réussi. C'est ça, le grand « reset ». C'est de venir plumer... Puis de commencer le nouveau modèle économique et social de l'élite. Plus des dé... hey ceux de Sodome et Gomorre, là, c'était. Tu sais, l'histoire de Sodome et Gomorre, je ne sais pas si tu connais, ils étaient dans la dépravation, puis apparemment, ils ont tous été changés en statut de sel parce qu'ils n'ont pas écouté, parce qu'il ne fallait pas qu'ils se retournent. Puis il y en a qui se sont retournés parce qu'il fallait se sauver, puis que Dieu était pour nettoyer, puis calciner, puis brûler Sodome et Gomorre. Ce qui se passait là, c'est des histoires de, dignes de Walt Disney comparativement est ce que ton élite te fait vivre à la décadence de ton élite. Puis, ça ne changera pas. Là. Regarde ton élite artistique, médiatique, politique, économique, financière, vraiment des dépravés, puis qui t'imposent un système. Donc, leur système, sont en train de te l'imposer. Les autres vont manger des flémions, des queues de mort. Toi, tu vas manger des criquets grillés parce qu'il faut que tu sauves la planète. Tu vas te promener en voiture électrique si tu as les moyens, mais la plupart n'auront pas les moyens, donc tu vas rester chez vous ou tu vas prendre l'autobus. Mais les autres, ils vont continuer à se promener en jet privé, en gros bateau. Ils vont voyager, ils vont voir leur château partout, leur chalet partout, leur maison partout. Mais toi, il va falloir que tu vives dans une petite boîte. C'est ça la nouvelle mode. Vent. Ils vendent des petites maisons, c'est des petites boîtes, c'est des mini-mini- mini maisons. Parce qu'ils vont vivre là-dedans, eux autres. Donc, tout cet agenda-là, c'est pour toi. On veut t'appauvrir. Le coût de la vie est devenu très, très cher. Ceux qui pensent que quand ils vont réussir à maîtriser l'inflation, ce qu'ils réussiront jamais maintenant, là, parce que c'est parti parce qu'on veut éliminer la classe moyenne, même si disons, demain matin, ils réussissent, ils disent OK, on a ramené l'inflation au lieu qu'elle continue à grimper à 8, 9, 8, 9, 8, 9, on l'a ramené à 2 mais tous les prix qui ont augmenté depuis le début de cette crise de l'inflation, de ça ne va jamais revenir à vos prix que tu as connus avant, là. oublie ça. Donc, ça y est, tu vas payer très cher pour toujours, ça va toujours continuer à augmenter. Les autres, ils ne voulaient plus que tu aies une belle vie. Eux autres, ce qui les a fait tuer, c'est ce qui est arrivé en 2016. L'espèce de mouvement populiste. Il fallait tuer ça dans l'œuf. Tout ce que l'élite ne veut pas, c'est le populisme. C'est-à-dire que le peuple, le populisme, c'est quoi dans le fond? C'est le peuple qui a vraiment des représentants qui représentent ses idées, ses craintes, ses expectatives, ses attentes. Ça, l'élite n'en veut pas. L'élite a un programme pour toi, a un projet pour toi. Puis ils ne veulent pas que tu t'imposes là-dedans. Ils ne veulent pas que tu donnes tes tes, tes... Ils ne veulent pas que ce soit pour toi. Tu comprends? Ils ne veulent pas que ça vienne de toi. Le populisme, ils l'ont identifié comme étant du racisme, du néo-nazi, tout ce que tu peux imaginer. Mais dans le fond, le populisme, c'est quoi? C'est juste le peuple qui veut vraiment avoir des politiques qui sont pour lui et non pas des politiques qui viennent de l'élite, de toutes ces sbires, de toutes ces hypocrites, comme dirait Jésus, ces sépulcres blanchis qui vivent d'une façon mais qui t'imposent à toi un style de vie et un mode de vie. Donc, pour eux autres, c'est ça le populisme. Puis on a voulu le tuer dans l'œuf. Le populisme, ça serait quoi? Dans le fond, ça serait un monde que toi t'as imaginé. Un monde qui va être sans guerre. Eux autres, ils aiment ça, la guerre. Ils veulent un monde où ça va te coûter très cher. Toi, tu voudrais un monde abordable avec pas trop d'impôts, pas trop de gros, gros gouvernements, pas trop de taxes. Puis pas, mais eux autres, c'est pas ça qu'ils veulent et ainsi de suite. Donc, tout ce qui est associé à tes craintes, à tes, craintes, à tes anxiétés, c'est associé, puis ils t'associent ça au nazisme, au parce que là, ils veulent démoniser ça. Donc, tout les, le projet mondial, puis que ce soit du PQ, du PLQ, du parti ceci, du parti cela, ils sont tous dans la même gang, là. Les autres font tout avancer le même agenda. Sauvons la planète, le recyclage, l'énergie verte, les éoliennes, les voitures électriques, les gros gouvernements. C'est ça. C'est mondial. Puis un parti qui, qui, tu sais, qui serait vraiment pour le peuple et les préoccupations du peuple, ils vont te l'attaquer tout de suite. 2016, ça a été le mouvement de Donald Trump, un mouvement populiste qui englobait trop de choses, là, puis c'était un petit peu du n'importe quoi. Mais ça, ça a fait des petits partout dans le monde. Ça, ça a fait vraiment suer l'élite. L'élite n'aime vraiment pas ça, le populisme. L'élite déteste le peuple. L'élite, d'ailleurs, fait souffrir le peuple beaucoup. Puis son programme, puis son projet, puis sa nouvelle société, puis son nouveau système. C'est juste pour vraiment le contrôler, puis s'assurer qu'il ne soit plus jamais capable de sortir la tête du trou. Ça, c'est pour ce qui est de l'élite. Maintenant, au niveau de. Ce qui se passe géopolitiquement, prépare-toi, il y a des tensions partout. Si tu pensais qu'il y avait juste ce qui se passe en Europe, l'Inde est en train de déployer des missiles le long des frontières avec la Chine, on apprenait ça il y a quatre jours. L'Inde et le Pakistan aussi, ça va très, très mal. Beaucoup de tensions ces temps-ci. Les tensions entre l'Inde et le Pakistan montent. Hein, C'est arrivé il y a deux semaines. Euh, de beaucoup, les deux sont euh, armés, n'oubliez pas, jusqu'au dents. Ils ont des... Euh, demande territoriale aussi des deux. Donc, euh, ça va euh, très, très mal à ce niveau-là. Pendant ce temps-là, Vladimir euh, fait son message du Nouvel An. Euh, puis, naturellement, le Daily Mail nous rapporte un dictateur fatigué qui apparaît à la télévision d'État pour accuser les puissances occidentales d'utiliser l'Ukraine comme un outil pour détruire la Russie. Et il a dit qu'il a lancé une invasion pour protéger sa patrie. Donc, on le sait. C'est vraiment l'Occident qui a poussé ce conflit-là à sa limite pour que ça se produise. Hein, et on sait exactement pourquoi. Donc, Poutine, euh, dans son message, euh, il a affirmé qu'il s'en prenait aux nazis et que l'Occident voulait utiliser l'Ukraine comme un outil pour détruire son pays. Donc, jusqu'où ça va aller, c'est vraiment pas clair. Mais l'année... Hein, je l'avais dit que ça serait long. L'année 2023 va se poursuivre dans cette... Et ça va s'aggraver. Ça va s'aggraver avec l'Inde, ça va s'aggraver avec la Chine, ça va s'aggraver avec Taïwan, ça va s'aggraver, il y a d'autres conflits qui ne se finissent jamais parce que c'est l'élite qui veut ça, parce que c'est payant, as des dist distractions. Pendant ce temps-là, les peuples sont tenus en otage, perdent des générations et des générations, comme Israël, Palestine, il y a longtemps que ça aurait dû être réglé longtemps que l'autorité la, palestinienne aurait dû s'entendre avec Israël, tout le monde serait heureux, en paix, en prospérité, pas de génération aurait été sacrifiée, mais l'élite palestinienne est d'une corruption comme tu ne peux pas l'imaginer. Puis là, ça continue, ça continue. Puis tu as Netanyahou qui revient dans le paysage, je ne sais pas, ça ne sera peut-être pas facile comme ça aurait pu l'être, mais les Palestiniens, pas les Palestiniens, le peuple palestinien qui paye le prix, là. mais l'autorité palestinienne s'est démontrée, même par les Palestiniens même qu'ils sont d'une corruption hallucinante. Pendant ce temps-là, tu te as la Russie et la Chine qui ont fait des euh, exercices conjoints en mer de Chine, Chine, on a imaginé, naturellement, une attaque d'un sous-marin ennemi. Et euh, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exercices navals. Quelques jours après que Pékin a envoyé une vague de 71 avions de combat vers Taïwan, on le sait, la Chine va aller chercher Taïwan, c'est juste une question de temps. Comment les autres pays vont réagir, comment la Russie, le, les États-Unis vont réagir face à ça? ben c'est ça qui va déterminer l'ampleur du conflit. OK? Pendant ce temps-là, il y a plein d'autres choses. Des la dette, soit. Mais pendant ce temps-là, il y a notre ami, le président de l'Ukraine, qui vient de signer une réglementation vraiment controversée sur les médias d'information, est en train d'appliquer une censure extraordinaire, naturellement. Et même les euh, journalistes de son pays disent que ça pourrait éroder la liberté de presse. Il y a beaucoup d'églises qui ont été euh, frappées aussi par euh, euh, ces, euh, cette rhétorique euh, guerrière, la, la Chine fait naviguer des navires de guerre près de Guam pour avertir les États-Unis hein, qu'on a intérêt à ne pas se mêler de l'histoire de Taïwan. Wow! Donc, euh, je peux te dire une chose, ça va euh, très, 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 très mal. Ça, c'est juste un, une vue d'ensemble globale, là, mais je peux te dire une chose, 2023, ça ne sera pas facile pour le, le peuple. En général, puis ça sera pas facile au niveau géopolitique. Non seulement tu vas souffrir économiquement, mais tu vas, presque tout le monde va souffrir militairement. Prépare-toi à quelque chose de gros, parce que ça va faire partie du reset pour recommencer à zéro, eux autres, pour que tu aies une misère extraordinaire. Le reset, c'est qu'on est allé chercher tout ton argent. Hey, imagine la quantité de gens, tout le, le, les, sur les 8 milliards, là, il y a peut-être 7,9 7 ,9 milliards 7, 7, d'individus qui sont tous fait plumer par une inflation, par un coût de la vie extraordinaire, par des maisons qui ont augmenté, le prix des loyers qui ont augmenté, le prix de l'énergie qui a augmenté. Tout ce monde-là, ils sont mordorés. Tous les fonds de pension qui ont été vidés avec des pertes incroyables sur la bourse. peut peux te dire une chose wow Prépare-toi, la misère nous attend. Pas seulement économique, mais là, ça va être la misère physique. Ça, c'est ce qui s'en vient la prochaine. On va souffrir euh, vraiment euh, au niveau physique. C'est-à-dire que tu n'auras plus le même mode de vie. Tu vas être dans la misère. On va expérimenter ça. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont préparés à ça, mais j'ai l'impression que non. Bonne année quand même.